Bienvenue à tous sur Polybidouille pour une série d'épisodes sur les panneaux solaires. Donc on va faire une installation solaire complète et on va détailler ça dans plusieurs épisodes. J'ai donc investi dans un kit solaire autonome, donc avec des batteries, que nous allons détailler maintenant. Ce kit est donc composé de 9 panneaux solaires qui seront branchés par série de 3. Chaque panneau solaire fait 330 watts et est composé de 60 cellules en monocristallin. L'efficacité des panneaux est estimée à 19,7%. Ils ont un cadre en alliage d'aluminium à double épaisseur et une couverture en verre trempé de 3,2 mm, ce qui nous fait des panneaux à 18,6 kg. Nous verrons pourquoi ce poids est important lors du montage des panneaux. Tous ces panneaux sont connectés entre eux par des prises MC4. Et la tension continue de ces panneaux connectés par 3 retourne à un boîtier de protection avec des fusibles. Dans ce boîtier de protection, l'ensemble de la puissance des panneaux est accumulé pour ensuite être redirigé vers un chargeur solaire. Ce chargeur solaire est intégré dans un gros boîtier où il y a également l'onduleur, un chargeur, un appareil électronique qui permet la gestion de tout ça et un système de transfert de charge. Ce chargeur MPPT renvoie donc l'énergie dans des batteries, une série de 8 batteries de 6 volts chacune, branchées en série pour faire 48 volts, pour une capacité totale de stockage de 22 kWh. Ce sont des batteries de 440 ampères-heure. L'énergie qui sort des batteries passe également par un gros fusible de protection. La tension continue des batteries est ensuite transformée en une tension alternative de 230 volts pour alimenter directement la maison et tous les appareils électriques. C'est le rôle du convertisseur de tension que l'on appelle également onduleur. Cet onduleur a une puissance maximum de 3000 watts. L'énergie consommée lorsqu'il y a du soleil ne passe pas forcément par les batteries et va directement dans les appareils de la maison. Ce gros boîtier Easy Solar permet également de pouvoir brancher un groupe électrogène ou bien un réseau quelconque. Nous avons également une sortie qui permet d'être connecté uniquement lorsqu'il y a le groupe électrogène allumé ou le réseau en route. Ce gros module Easy Solar est doté de beaucoup d'électronique qui va nous permettre de multiples fonctions. Il permet de connecter des sorties pour par exemple l'allumage d'un groupe électrogène lorsque les batteries sont vides. Nous pouvons également le connecter à Internet pour avoir un suivi en temps réel de notre production et notre consommation d'énergie. Nous avons donc reçu une énorme palette avec les panneaux solaires, les batteries, toute l'électronique et tous les câbles. C'est ça que l'on décharge maintenant. Nous pouvons voir ici le coffret de tension DC que je vous ai parlé au début de l'épisode, qui est composé des protections de courant continu des panneaux solaires, ainsi qu'une multitude de câbles pour tout brancher. Et ça, c'est le gros boîtier Easy Solar. Nous voyons ici les batteries. Ainsi que les 9 panneaux solaires. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à partager la vidéo pour suivre cette aventure. Et n'hésitez pas à visiter mon autre chaîne Natureti, où je parlerai également des panneaux solaires et de l'autonomie énergétique. À très bientôt pour le prochain épisode solaire sur Polybidouille.